Het werk is een van de, zo niet het belangrijkste werk uit onze collectie. En dat omwille van zijn grote historische en kunsthistorische betekenis. Er zijn bibliotheken overvol geschreven, maar dat belet niet dat wij vandaag starten met een nieuw type onderzoek. Dankzij het project Face to Face hebben wij het werk grondig kunnen onderzoeken aan de hand van zeer vooruitstrevende, niet-invasieve onderzoekstechnieken, aan de hand van fysico-chemische technieken en digitale beeldvorming. Op die manier krijgen we inzicht in het creatief proces, kunnen we als het ware meekijken over de schouder van de kunstenaar en zien we hoe zijn gedachten verlopen, hoe hij zaken bijstuurt of aanpast. Kunnen we eigenlijk zijn gedachten volgen bij de creatie van het kunstwerk? Een ander interessant gegeven is de mogelijkheid om de materiële biografie van het kunstwerk te volgen. Dit wil zeggen, we krijgen een idee van schade, veranderingen, alteraties die in de loop van de jaren zijn voorgevallen. En dat alles samen leggen wij naast onze kennis die we hebben vanuit archieven, vanuit literatuurstudie. En op die manier kunnen we dat kruisen. Dat brengt nieuwe inzichten aan. En dat is nu precies de reden waarom we ook een aantal atelierreplieken naar hier gebracht hebben. Dat zijn werken die gerealiseerd werden in het atelier van de kunstenaar onder zijn toezicht door medewerkers. Het werd toen al als een belangrijk kunstwerk beschouwd en zij bieden nu aan ons de mogelijkheid om een kritische vergelijking te maken. Er staat ons nog heel wat werk te doen, maar wanneer u aandachtig naar de infraroodreflectografie kijkt, zult u zien dat er een aantal wijzigingen zijn en zult u begrijpen waarom het zo spannend is voor ons om mee te kijken met de kunstenaar. On a découvert qu'en fait le visage de Marat était une combinaison du dessin que David a réalisé de la tête de Jean-Paul Marat sur son lit de mort et qu'il a utilisé également un masque mortuaire, donc un modèle 3D en plâtre comme il avait l'habitude de le faire. Par rapport au dessin, on voit que le visage de Marat a fait une rotation de 100 degrés vers la gauche et pour rendre la position du visage réaliste, en fait, il a épaissi le turban ici pour que la tête puisse reposer sur quelque chose. En fait, la haute résolution de la réflectographie infrarouge qu'on a utilisée a permis de mettre en évidence que les yeux de Marat étaient à l'origine mi-clos et non pas fermés. On a pu découvrir aussi que son rictus était beaucoup plus marqué, ce qui correspond à la réalité étant donné que Marat souffrait d'une dysmorphie. Et ensuite, on a pu constater que dans son dessin préparatoire, David avait vraiment placé son ombre, l'ombre portée du nez, et en plaçant le masque mortuaire, on peut observer qu'elle est positionnée exactement de la même façon. Grâce à la haute résolution de la caméra infrarouge qu'on a utilisée, on a pu mettre en évidence le fait que Marat, à l'origine, tenait un morceau de papier chiffonné dans sa main droite et non pas une plume, ainsi qu'au niveau de la main ici, on peut voir dans la réflectographie des changements dans la position des doigts et en fait, qu'à l'origine, Marat ne tenait pas le billet célèbre qu'il tient aujourd'hui, mais une plume. Donc en fait, l'inversion de la plume et de la feuille de papier est lourde de sens, étant donné qu'en plaçant le billet de Charlotte Corday face au spectateur, David renforçait le caractère politique de l'assassinat de Marat et la composition en elle-même. Suite à un changement de régime, David a dû s'exiler. Alors, avant son exil, pour protéger certaines de ses œuvres de la destruction, il a pris certaines dispositions. Il est dit par certains auteurs que le Marat a été caché sous une couche de céruse. Or, l'examen de la surface de l'œuvre en microscopie digitale exclut cette hypothèse. Il n'y a aucun résidu de peinture blanche, ce n'est pas possible. Par contre, on a fait une autre découverte, c'est la présence de fibres sur l'entièreté de la surface de la toile. Du coup, une autre hypothèse est apparue, c'est que vraisemblablement, David a découpé sa toile de son châssis pour pouvoir
la retendre sur les plats du châssis. Cette hypothèse est confirmée par la présence des trous de perforation d'un système de maintien antérieur sur les quatre bords, et qu'ensuite, on est venu par-dessus tendre une toile vierge, elle enduite de céruse, et que comme ça, l'œuvre pouvait rester dans l'atelier de Gros, où elle a été longtemps conservée, sous l'apparence d'une toile vierge prête à l'emploi. On ne peut pas s'intéresser à la genèse du Marat sans évoquer une autre œuvre réalisée par David la même année, 1793. C'est l'œuvre représentant Le Pelletier, donc, qui est un homme politique également assassiné. Et l'œuvre représente le cadavre sur son lit de mort. Cette œuvre est aujourd'hui disparue, mais il faut savoir qu'en fait, le Marat était destiné à faire face à Le Pelletier, les œuvres étant présentées de part et d'autre de la tribune dans la salle des conventions. En comparant la mise au carreau du Marat avec celle qui est présente sur le dessin de Le Pelletier, on pense que la mise au carreau de Le Pelletier a pu servir de point de repère, de gabarit pour exécuter Marat. Il y a par exemple le même nombre de carrés en largeur qu'en hauteur. Le visage dans Marat apparaît au sixième carré, c'est la même chose dans le dessin de Le Pelletier. Le coude apparaît au même endroit. Le sens de la lumière, enfin bref, Le Pelletier a conditionné Marat largement. La citation est une pratique très courante auprès des artistes modernes et contemporains, qu'il s'agisse de se mesurer à la pratique des maîtres anciens ou bien de critiquer leur héritage. Et nous avons voulu montrer dans cette partie de l'exposition comment un chef-d'œuvre mondialement connu, Le Marat assassiné de Jacques-Louis David, a pu influencer des artistes qui ont des pratiques extrêmement diverses, qu'il s'agisse de la peinture, de la photographie, de l'installation ou même de la vidéo. Lorsque l'on rentre dans cette salle, on est accueilli par cette grande installation de Gavin Turk. L'artiste s'est représenté, c'est un autoportrait, il a pris la place du Marat assassiné dans sa baignoire. Mais ce fait tragique de la Révolution française, c'est aussi l'histoire d'un homme et d'une femme, d'une très jeune femme, Charlotte Corday, qui va assassiner Marat. Et c'est à Charlotte Corday que Rachel Labastide a voulu rendre hommage dans cette installation réalisée en porcelaine. Picasso lui-même va utiliser le versant dramatique, romantique presque, pourrait-on dire, de cette histoire, puisqu'il se représente en victime, Marat, assailli par sa femme Olga. Donc il va utiliser l'histoire pour raconter sa propre histoire. Marat assassiné, c'est bien sûr une œuvre politique. C'est un tableau qui rend hommage aux martyrs de la Révolution. Et cette dimension politique ne va pas échapper à beaucoup d'artistes, Ai Weiwei notamment, qui va subir les foudres de la censure chinoise et qui réalise une œuvre qu'il intitule « D'après la mort de Marat », où il se représente lui-même face contre le sol sur une plage. D'autres œuvres présentes dans cette exposition abordent le thème du Marat assassiné de manière plus légère. C'est notamment le cas avec Jean-Luc Mourman qui nous montre un Marat dont le bras est tatoué, il porte un tatouage tribal, ou Jan van Heemskerk qui, avec beaucoup d'ironie, revisite l'histoire de Marat assassiné dans sa baignoire. Dans une salle annexe, la salle Bernheim, nous présentons un portrait vidéo du très célèbre chorégraphe et metteur en scène Bob Wilson, qui a fait appel en 2013 à Lady Gaga pour réinterpréter toute une série d'œuvres présentes au musée du Louvre, notamment une des copies d'atelier du Marat assassiné. Et cette évocation de la copie du musée du Louvre nous permet donc de faire le lien avec les autres versions du Marat assassiné qui sont présentes dans cette exposition historique.